Ouais. Je vais là. Comment on règle ça? On va le régler maintenant. C'est ce soir? Ce soir, mon petit vieux. Impro. Je suis là à 6h, à Balançon, pour. J'en profite en même temps pour essayer les chansons nouvelles, les tester. Et puis pour régler, parce que chaque salle est différente, chaque endroit a une acoustique différente. Donc on règle de 6 à 8 heures, quoi, de 6 à 7 heures en même temps. Et ça chauffe la voix en même temps. Vous savez, c'est simple en tournée, hein. Les gens qui viennent nous voir en tournée viennent nous voir parce qu'ils vous aiment bien. Moi, ils restent chez eux, je veux dire, je vois pourquoi ils paieraient une place pour venir nous dire on vous aime pas. Ils restent chez eux, donc t'as pas de contact en fait avec eux. Ceux qui viennent, c'est qu'ils sont contents d'être là, ils aiment tes chansons, il n'y a pas de conflit, ils sont en général d'accord avec toi, à des nuances près, bien sûr, mais il n'y a pas de problème, il n'y a pas d'accroc. Je ne sais pas ce qu'ils viennent chercher. Ils viennent chercher du spectacle, ils viennent chercher du rêve, ils viennent chercher de l'amour, ils viennent chercher de la musique, ils viennent chercher de la violence, mais ils viennent chercher aussi tout en même temps. Je ne crois pas qu'on est le chanteur de quelqu'un. Ça, je ne crois pas à ça. Je crois qu'il y a des gens qui aiment les chansons qui leur rappellent une période de leur vie, je ne sais pas, une rencontre, un amour, une déception, un soir de drague ou et c'est ça, ils viennent retrouver ça en fait. Et ben alors on y va, on... Tiens. Depuis que je suis né, j'ai toujours vu mes parents partir en tournée, ou mes enfants, depuis qu'ils sont nés, ils m'ont vu partir en tournée. C'est pas... Puis je pars pas à Biribi, je vais à côté, quoi. J'ai le téléphone, je rentre. Ça va, j'ai des jours de relâche, c'est pas l'enfer. Quelle majorité? Celle qui vote ou celle qui vote pas? Celle qui prend. Je sais pas, j'ai pas de majorité silencieuse ou de minorité agissante. De toute façon, il n'y en a pas en France, de majorité silencieuse, tout le monde gueule. À faire vieillir, à faire blanchir la nuit, à faire brûler la lumière jusqu'au jour, à faire dresser tes seins et tous les seins. À faire prier, supplier nos mains, à faire vieillir, à faire blanchir la nuit, et moi, à faire brûler la lumière jusqu'au jour. Les gens qui avant de décider, peut-être que je correspond pas au prototype du gars qui vole pour les films qu'ils font. Je sais pas, là, je tourne avec Lelouch, mais ça fait 2 ans que Lelouch y pense, donc c'est un peu sur mesure ce qu'il me fait. Les autres, j'ai pas eu de proposition, ou ce que j'ai eu, c'était bon, des choses qui pouvaient pas se faire, des dates pas libres, etc. Mais tu sais, il n'y a pas beaucoup d'efforts d'imagination chez les producteurs de films français. On peut pas dire que ce soit des phénix pour trouver des personnages formidables. Et ils vont un peu à la facilité. C'est-à-dire, ils t'imaginent pas capable de faire autre chose que ce qu'eux reçoivent de toi. Alors, je trouve que c'est un manque d'imagination, ce qui fait qu'il y a toujours les mêmes acteurs, les mêmes gens qui tournent autour des mêmes rôles, autour des mêmes têtes, autour des mêmes équipes. C'est peut-être un peu comme nous aussi dans la variété, d'ailleurs, j'en sais rien. En fait, l'histoire du film de Lelouch, d'après ce qu'il m'a raconté, parce qu'avec Claude, il faut se méfier, le film change avec les semaines. Mais disons que l'histoire qu'on m'a racontée à moi, c'est un homme qui produit un film et qui joue dedans. Il joue l'histoire d'amour qui a eu lieu il y a 20 ans d'un homme et d'une femme. Il recrée le film.
En fait, je crois même que je suis le loup, quelque part. Moi je fais le tour. Fais ta toilette, Alexandre. Fais ta toilette. Regarde, venez. Passer pour rien. Puisqu'aucun dieu du ciel ne s'intéresse à nous, Lénine, relève-toi, ils sont devenus fous.
toi, Vladimir Ilitch, t'as raison, tu rigoles. Toi qui as voyagé dans un wagon plombé, dans son entour blindé. Toi, Vladimir Ilitch, est-ce qu'au moins tu frissonnes en voyant les tiroirs de la bureaucratie remplis de tous ces noms de gens qu'on emprisonne ou qu'on envoie mourir aux confins du pays? Lève-toi, ils sont devenus fous. Où sont passés les chemins de l'espoir d'enfer de Moscou, et répand la nouvelle à travers la planète. Amis du genre humain, ils sont devenus fous. Je dis, tu me feras plaisir.
commençons une nouvelle tournée. Vous ne saviez pas? Nous commençons une nouvelle tournée. Et dans ce spectacle, j'ai décidé de mettre des chansons que vous n'avez jamais entendues. Et moi non plus d'ailleurs. Et la première, la voici, elle est toute fraîche. Elle sort des presses. Alors je ne voudrais pas vous miner, les hommes. Je ne voudrais pas que vous la preniez trop au sérieux. C'est grave. Mais c'est pas définitif. Tout peut toujours s'arranger. Vous connaissez la formule. Je crois qu'il y a l'humeur de mon garçon. Hein. Il aimait les plages sous la pluie. C'était tout à fait mon contraire. On était pourtant deux amis. Parce que c'était moi, parce que c'était lui. Mais qu'est-ce que lui pourrait bien filer? Au sable d'Olonne, c'était une chanson d'automne. À mon premier saut dans ses bras, je fredonnais le ça ira. Au son de la marche nuptiale, j'ai fait une sortie triomphale. Dies irae, dies illae, quel mauvais jour que ça.
Celui qui faisait du vieil Anatole France un suppôt de Satan, parce qu'il était sans Dieu. J'ai fait les deux écoles et j'ai tout oublié. La nuit des Carmagnoles, la fin des assemblées, les dieux de la ressemble à quelqu'un, autant que ce soit moi. Après ils s'en iront et on priait la Madone le dimanche en Vendée, des cailloux de Provence au château d'Aquitaine. On chantait la Durance, on pleurait la Lorraine. Dans le rôle et les saints, on chassait les abbés, on plantait en la suivant, le ciel irlandais était en...
Hein? Ce soir, mon petit vieux. Ce soir, on l'a dit. Regarde le seul dos. T'avais qu'à te coucher tôt, Jackie. C'est ça qui est terrible. Oui, mais je m'en fous, t'as qu'à te coucher tôt. On ne peut pas avoir les sous les moments. Si on a plus ce soir. Oui. Il faut que j'aille toucher un seul. Eh bien, il a. S'il en revient moins riche. Si on revient, il y a l'italien derrière. Attends, tu sais ce qu'on va faire. Après, tu sais ce qu'on peut faire elle aussi. Elle rentre ce soir en action, celle-là. Comment on peut... Ça sent cramé. Il faut le faire avant l'animal. De toute façon, avant l'animal. Donc, moi, j'avais prévu, comme il y a délire d'amour, présentation, par exemple. Pourquoi non? Ah non, t'as délire d'amour là. Tu nous fais chier avec ta... Es-tu sûr que tu peux pas la mettre entre Si l'on revient moins riche? Parce que pendant que je chante Si l'on revient moins riche, tu prépares... Non, eh ben tu l'en supprimes une. On dit ce soir, par exemple, on fait pas la lune dans une femme matrice pour ce soir. Comme ça, il a le temps. Il a une femme ma fille. Si on revient moins riche, ça ne te dit pas non plus. Et ben alors, tu veux qu'on la mette alors on peut... Entre la batterie et soudain, l'ordre de passage du calme. Après, on ne pourra plus le bouger. Pour moi, on va refaire un peu. Ah, c'est ça, c'est tout un programme. Pour ça, là, on l'a mis là. Donc, alors attends, réfléchissons. Donc, ça peut être que dans la première partie de la. Non, pas avant. On a viré l'animal parce que l'animal prenait trop de place par rapport à celle-là. Alors, on est obligé de refaire. Non, c'est pas un problème. Parce qu'après, ça enchaîne avec des nouvelles. Ça, c'est bon. Délire d'amour. Oui, mais j'ai toujours ma série de trois slows à me filer dans la gueule. L'intérêt, c'est pour moi, c'est pas de le mettre musica, ça déménage.
problème, l'italienne... L'école et la pute, ça pose aucun problème. Faire après les deux écoles, Los Angelien, la pute, délire d'amour, etc. C'est bon pour toi ? Lui, il a la pute pour se reprogrammer. Il a la pute et il a... Oui, il a la pute pour se reprogrammer. Deux écoles et la pute, ça va. Si je fais les deux écoles, Los Angeles, la pute, ça va. T'as le temps de délire d'amour. Parce que si tu me plantes dans le délire d'amour, je te mords des couilles. Tu vois ce que je veux dire? C'est idiot, c'est complètement con, ça veut rien dire. Ouais, ouais. C'est idiot, à la limite, entre les deux écoles et la pute, bon, c'était pas mal. Mais là, c'est idiot. Si on n'y arrive pas, c'est pas la peine, à la limite. Après, si j'étais, tu mettrais Saint-Julien. Non, c'est trop tôt. Conception, je peux faire. Et Michel, pourquoi tu ne supprimes pas une des chansons qui a la dénombre? Quoi? Là. Que ça vient après, sinon reviens moins riche. Supposition. Là. Ici. Intro. Intro. Sommet des collines dominant la vallée. Tant, 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 tant. Je commence ici, machin. Et à Los Angeles, là-bas, je me casse. Je monte les escaliers. Et je finis là. Et je chante la chanson là. Tout baigne. Il y a intervention, il y a... Alors tu joues avec voilà. Je la commence au centre, question que ça vient après, sinon bien moins riche, donc le bleu, machin, plaque à plot. Je la commence ici, en bougeant un petit peu. Et le premier pont, je monte et je finis la chanson là-bas. Pour revenir sur à l'italienne. Après. Tu restes là-haut? Bah oui, je vais pas vous faire. Oui. On peut la voir encore une fois? Et après, vous la programmez là. Ce qui serait peut-être d'autre, c'est de faire l'enchaînement pour voir. On va la faire, ça serait bien, oui. Bon, bah alors, ouais. C'est moi qui... Bon, t'as fini, Roy, toi? Non, vas-y, vas-y. Qu'est-ce qui me fait les tenues dans l'italienne? C'est lequel d'entre vous qui fait le début, l'intro? C'est toi? Donc tu prends tout ton temps. Tu me laisses à chaque fois partir, tu me rattrapes. Ouais. Mais tu sais, il y a le... Merde, comment ça commence en italienne? Chanson d'un artiste. L'autre. Une chanson d'homme, une chanson triste. Pénard. Avec une voix à l'italienne. Une voix brisée presque inhumaine. Là, on l'attend. Aussi. Tu me laisses partir. Tu jaillirais les voix, mon âme, en flamme. J'attends. Toi, t'as largement le temps. Hein. Je vais tourner deux fois autour. Ça va. On va faire la chaîne là-bas. Voilà. On laisse, alors, prends un coup pour moi. Tu me laisseras passer, hein, René, je la finis là-haut, moi, la chanson. Hein. Ouais.
Il y a eu bloc. Ouais. Mais c'est quoi, c'est la critique d'hier ou... Non, c'est celle de l'avant-spectacle, les journalistes de Biarritz. Ça aurait été mieux quand on allait au lac, là. Ben oui. Ah, puis en plus, ils sont pas spécialement sympathiques, je trouve. Non. Pas du mal. Pas coopérant, vraiment. Bah ouais, je rentre au studio tous les soirs. Ça vaut rien, je suis content. En plus, je l'ai fait équiper, tu vas voir maintenant comment elle est, c'est un avion. Non, non, j'ai fait mettre les rouages en large, les machins fumés, téléphone, truc, tout ça. Oui, tout, ressemble à un avion. Là, 6 heures, on la balance son pour j'en profite en même temps pour essayer les chansons nouvelles, les tester. Et puis pour régler, parce que chaque salle est différente, chaque endroit a une acoustique différente. Donc on règle de 6 à 8 heures, quoi, de 6 à 7 heures pendant une heure. Puis ça chauffe la voix en même temps. Mais j'ai pas eu de galère de son, il n'y a pas eu de salle, excepté une dans le midi, mais sorti de là, le son passe assez vite. Sobriété, non, puisque moi je fais venir, je mets de l'éclairage, je mets de la lumière, mais j'aime pas qu'il y ait des gens extérieurs aux chanteurs, parce que ça devient vite comédie musicale, ça devient vite suite de tableaux avec danseuses, avec cascadeurs, avec que sais-je, tu vois, et à ce moment-là, je trouve qu'on perd, ça c'est mon point de vue, je trouve qu'on perd l'intérêt du chanteur, du type qui se bat seul, justement. C'est ça qui... pour ça que je le fais pas. Je veux qu'il y ait des lumières formidables, qu'il y ait des effets scéniques, bon...
impressionnants, des choses comme ça, mais pas d'intervention de comédiens, de figurants, de danseuses, de tout ce que tu veux. Je veux que ça reste uniquement musical. Parce qu'autrement, moi, j'ai le sentiment d'aller voir une suite de tableaux où il y a... et je trouve qu'on se disperse et qu'à ce moment-là, on perd la chanson. Ça, c'est ma théorie, c'est pas celle de Johnny ou d'Eddie, mais c'est ce que j'applique, moi. Mais c'est pas sobre, puisqu'il y a... il y a un paquet de lumière, un paquet d'effets, tu vois. C'est sobre dans la conception du spectacle, c'est ça que je veux dire. Oui, il n'y a pas d'éléments extérieurs. J'essaye de ne pas mettre de machinerie. Ça déplace autant de public. C'est-à-dire que, tu sais, en plus, moi, j'ai pas une unité dans mon spectacle. Quand tu fais du rock'n'roll, tu ne fais que du rock'n'roll. Tu as donc une unité de son, de tempo, de choses comme ça. Tu as donc... Tandis que moi, je saute du rock'n'roll à une chanson classique en passant par grand orchestre, en allant sur des chansons légères, acides. Donc je ne peux pas avoir une unité, je ne peux pas avoir une marque de fabrique. C'est très varié ce que je fais finalement. Donc je ne peux pas non plus avoir un costume. Je ne peux pas être habillé en indien et chanter si l'on vient moins riche. Tu vois ce que je veux dire? Ou je peux m'habiller en indien pour une autre chanson, mais là j'aurais l'air d'un con. Alors je suis obligé d'avoir toujours quand même... avoir la possibilité de passer à travers toutes ces personnalités différentes sans avoir une machinerie derrière moi ou un système derrière moi. Tu as l'impression que ton public se renouvelle ou c'est le même, ou c'est le public d'une génération qui vieillit avec toi tous les jours, sont les mêmes fidèles? Oh non, ça se renouvelle, mais il y a aussi les fidèles, mais il y a des petits mouflets qui arrivent tous les jours, heureuse Dieu merci. Dieu merci. Mais je pense qu'il y a aussi une base de fidèles. Mais ça dépend des chansons aussi. Il y a des périodes. Par exemple, quand j'ai fait les deux écoles, c'est plus une chanson d'adulte qu'une chanson d'enfant. Les enfants, je ne les ai pas vraiment concernés là. Par contre, délire d'amour, c'est plus pour les petites filles. Est-ce que dans la tournée, il y a eu des gens qui ont manifesté leur mécontentement après cette chanson? Au contraire, jamais. Non, j'ai pas de... c'est simple en tournée. Hein. Les gens qui viennent nous voir en tournée, ils viennent nous voir parce qu'ils nous aiment bien. Moi, ils restent chez eux, je veux dire, je vois pourquoi ils paieraient une place pour venir nous dire on vous aime pas. Ils restent chez eux, donc t'as pas de contact en fait avec eux. Ceux qui viennent, c'est qu'ils sont contents d'être là, ils aiment tes chansons, il n'y a pas de conflit, ils sont en général d'accord avec toi, à des nuances près, bien sûr, mais il n'y a pas de problème, il n'y a pas d'accro. C'est l'extérieur. Tu l'as vu le spectacle, ça c'est off, truc. Tu l'as vu le spectacle d'Eddie, toi? Non. Je ne réponds pas, Michel, de la performance physique d'un chanteur. Le fait de faire 35 villes, presque tous les soirs, avec de temps en temps un jour de relâche, ça nécessite une bonne santé physique. Ouais, rien d'excessif. C'est une habitude, je crois que moi, je me réveille au moment de rentrer, en fait. Je dors tard. Faut dormir, c'est tout. Si tu dors bien, il n'y a pas de problème. Mais si ça ne te demande pas un entraînement, tu n'as pas besoin de soulever des haltères ou de faire 10 km de course à pied pour te préparer. Il suffit, je te dis, le pire, moi, c'est le manque de sommeil. Là ça va mal, mais autrement, il n'y a aucun... C'est pas un exploit physique, je veux dire, sauf dans certains cas, finalement, c'est un truc, une tension normale qui dure 2 heures. Il y a une pression qui se fait, tu as la pêche, quoi qu'il arrive. Est-ce que le fait de partir presque 2 mois n'affecte pas l'équilibre de notre famille? Oh, et les marins, alors. Non, ça n'affecte rien du tout. Ça fait, depuis que je suis né, j'ai toujours vu mes parents partir en tournée, ou mes enfants, depuis qu'ils sont nés, ils m'ont vu partir en tournée. C'est pas... Puis je pars pas à Biribi, je vais à côté, j'ai le téléphone, je rentre, ça va, j'ai des jours d'horloge, c'est pas l'enfer. Si tu n'avais pas été chanteur, Michel, quel serait ton métier aujourd'hui?
j'en sais rien. Je sais pas. Je sais pas. J'ai aucune idée. Donc si jamais ça marche, si Michel Sardou ne marche plus d'un coup, il meurt. Il meurt, il se jette dans l'eau. Il n'y a plus rien. C'est qu'il fait, c'est ce que je peux faire, je ne vais pas me mettre hôtelier, je sais pas le faire. Restaurateur, je sais faire qu'un truc ou deux. C'est les pâtes, les choses comme des sauces. Moi, enfin, je vois pas. Et... Si, aller bouffer chez Sardou, c'est peut-être pas mal. C'est pas mal. À la campagne. Je peux pas être paysan parce que ça c'était un métier très difficile et je ne saurais pas le faire. Je sais juste faire le jardin un peu, tu vois. Je n'aurais rien faire. C'est qui? C'est Vic. Je voulais savoir si tu voulais manger après. Je suis éclaté. Et je mange, non? Ouais, on réserve. On parlait maintenant. T'as eu bu? T'as eu bu. Ouais. Ok. Où vous voulez, je m'en fous, je dis ubu parce que c'est... Il y a eu un trou de 2 ans entre ta première expérience. T'es fou de ma gueule, là. Hein? C'est pour te foutre de ma gueule que t'es dit. Non, mais je voulais simplement savoir si ce trou de 2 ans, il est expliqué par le fait que tu étais déçu par les gens du cinéma. Ah, j'ai pas été déçu, jamais, non, non.